l'étude que deux hommes ont suivie. Et puis donne à David les paroles que tu veux entendre. Amen. 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 Tiens, jubilé crié de joie. Je te demandais où il était passé. Oui, c'est ça, je me demandais où il était passé. Comme tant d'autres choses d'ailleurs. Ok. Alors, on n'ira pas plus loin ce soir, il faudrait que je fasse ça. Je fasse d'autres. Alors, on s'était arrêté, on avait regardé la dernière fois un petit peu le témoignage de la vie de Paul au travers des versets 11 à 24 du chapitre 1 de Galates. Et on s'était arrêté à la puissance du témoignage et donc la vie d'autrefois de Paul. Quelle est la vie qu'il avait eue autrefois? Et là, on va voir. L'œuvre de la grâce dans sa vie, ce sera versets 15 et 16, toujours chapitre 1. Sa retraite en Arabie, ça c'est le verset 17 et 19. Et puis sa rencontre à Jérusalem avec les autres apôtres. Et voilà, l'effet de l'évangile. Ensuite, donc on va reprendre un petit peu ces versets-là. Je peux tricher. Quoi ? C'est bien, je suis à côté, je peux tricher. Non, je sais pas. Ou c'est chaud. Alors, donc, sa vie d'autrefois, versets 13 et 14. Non, ça on l'a déjà vu. L'œuvre de la grâce, 15 et 16. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Voilà. Donc, dans une de ses prédications sur cette épître, il y a un pasteur, je épargnerai le nom, et puis l'église, parce que c'est assez difficile à prononcer, mais enfin bref, il a dit « Personne n'est assez bon pour se priver de la grâce. » Ni trop mauvais. Pour se priver de la grâce de l'Évangile, ni trop mauvais pour en être disqualifié. Donc, là, ces versets nous disent « mis à part dès sa naissance, appelé par grâce ». En lisant ce texte, nous devons comprendre que dès l'éternité, Paul a été choisi comme instrument de Dieu pour l'évangélisation des païens. Et non pas uniquement depuis sa naissance. C'est bien avant. Donc, le choix et l'appel efficace de Dieu à notre égard demeurent un mystère, mais relève toujours de la grâce de Dieu. Alors ça, on va voir Éphésiens 1, verset 4. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, ça me rappelle Éphésiens 1. Ouais. Et Romains 8, verset 30. Et Jérémie 1, verset 5. Tu fais quoi, toi ? Éphésiens 3. Moi, je fais Éphésiens, je l'ai. Ouais. Jérémie, combien ? 1, verset 5. Alors, Éphésiens 1, 4. La phrase commence au verset 3. Ouais. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions, des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Et l'autre, c'est bon. Romains 8, 30. Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Jérémie 1, 5. J'ai fait chercher Jérémie 5, 1. Poches, tu non, c'est quelque part entre Genèse et Matthieu. Alors, Jérémie 1, 5. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Et ailleurs, on va voir que donc, Dieu utilise les adversaires de l'Évangile pour accomplir ses plans.
Alors ça, c'est Actes 2, verset 23. Et 4, verset 27-28. Actes 2, verset 23. Et 4, 2, combien 2, 23. Et 4, 27-28. 2, 23. C'est où? Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. 27, alors, acte 4, 27-28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voilà. Donc, quand Paul dit « révélé en moi », il ne s'agit pas uniquement de sa rencontre physique sur le chemin de Damas. On peut le lire en 1 Corinthiens 9, verset 1. On peut. En Corinthiens 9, verset 1. Alors, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Jusqu'à 9, verset 1. Voilà, c'est ça. Donc, en effet, donc, le verbe n'indique pas seulement la capacité de voir, mais aussi la reconnaissance de la seigneurie de Christ. Mm-hmm. Il ne s'est pas arrêté à dire « Ah, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que c'est ?» Il a reconnu que c'était le Seigneur. Ainsi que l'œuvre de transformation progressive. Donc ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3. Et verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Après, on pourra préparer. C'était quelques versets. 2 Corinthiens 3, 18. On pourra préparer Actes 9, 15. Et puis Actes 22, 17, 21. On pourra préparer ça. Alors, quand il dit pour annoncer, cette charge, elle faisait partie intégrante de la révélation qui a été donnée à Paul sur le chemin de Damas. Elle a été rappelée 3 ans plus tard, lorsqu'il se trouvait dans le temple à Jérusalem. C'est là qu'on verra les versets en acte. 9,15. Ouais, par exemple. 22, 17 à 21. Mais le Seigneur lui dit, va, ah, c'est en rouge, je vois là. Acte 9,15. Je préfère le faire. Vas-y. Alors, je l'ai, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Parce que là, c'est tout bon. C'est pour ça que je peux faire. Il y en a qui s'est lâché. Je crois que c'était... Alors, acte 22, 17, 21. Alors, un jour, après mon retour à Jérusalem, pendant que je priais dans la cour du temple, je suis tombé en extase et j'ai vu le Seigneur. Il m'a dit, hâte-toi de quitter Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. J'ai répondu, mais Seigneur, ils savent pourtant que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et fouetter ceux qui croient en toi. Lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là en personne. J'approuvais ce qui se passait et je gardais les vêtements de ces meurtriers. Le Seigneur m'a dit alors, « Va, je vais t'envoyer au loin vers les païens. » Voilà, donc on pourra préparer après Romains 11, verset 13, et puis Romains 9, verset 3. Donc en fait, il est impossible de séparer le fait de le privilège et la responsabilité de l'apostolat de Paul pour les païens. Donc cependant, donc voilà, son apostolat ne doit pas occulter sa passion pour son peuple.
Donc on va lire en Romains 11, verset 13. Et puis après, Romains 9, verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères, nés du même peuple que moi. Donc voilà, c'était un privilège, mais aussi une responsabilité. Et une passion aussi. Parce que vraiment, il était vraiment très motivé pour que son peuple soit touché par la grâce aussi. Alors on va voir sa retraite en Arabie, ça c'est le verset 17 et 19. Le Galate ? Ouais. Très étonné, moi, d'apprendre que Paul est parti. Toujours Galate 1 ? Galate 1 ? 17 à 19. Ah, toujours Galate 1. Ah ouais. Oui, je vois pas pourquoi, on passe au verset 5, chapitre 5. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres, vivants, moi, mais le parti, mais je parti. J'ai perdu la ligne pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 18. 3 ans plus tard. Il est resté 3 ans. Ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas. Et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres. Et ce n'est Jacques, Jacques, le frère du Seigneur. Voilà. Donc déjà du départ, on voit qu'il n'a pas reçu l'évangile de la part des hommes. Mais il l'a, même dans ses premières années chrétiennes, il ne l'a reçu d'aucun autre homme. Parce que lui, il est parti direct en Arabie. Il y a autre chose qu'on apprend. Oui. Car il témoigne d'une chose, quand on dit que Christ était tout seul, et puis là, Jacques est bien le frère. Il est bien mentionné par Paul, le frère du Seigneur. Oui, après, il y en a qui vont dire oui, mais le frère, au même titre que Paul. Ouais. Mais non. Non, c'était bien pour le distinguer de Jacques, pour le distinguer. Voilà. Oui, le frère Seigneur. Exactement. C'est vrai. Donc il veut démontrer que l'évangile authentique, elle n'est pas liée à une ville, ni Jérusalem, ni Rome, et qu'elle n'est pas liée non plus à des hommes, ni Jacques, ni Pierre ou Jean, mais en fait que l'évangile transcende les lieux, les époques et les personnes, et dépend de Christ. Donc, après avoir vécu une vie complètement en opposition avec l'Évangile, Paul ne repart pas tout de suite à Jérusalem. Parce que d'abord, il aurait eu du mal à convaincre les chrétiens, à montrer patte blanche avec tout ce qu'il leur a fait. Ça a dû être un frein quelque part. Sans parler aussi de l'opposition des Juifs et du Sanhédrin. Parce qu'alors, eux... Ils auraient bien mis la main dessus. Parce qu'en fait, c'est eux qui l'avaient envoyé. Ça demande, mais ils l'avaient envoyé quand même. Donc on va lire Acte 9, versets 26 et 29, pour voir ça. 26 et 29 ? Oui, 26 à 29. Arrivé à Jérusalem, Arrivé à Jérusalem, alors tu m'as dit quoi, 24 ? Je suis trompée, moi. 26 à 29. Alors, l'Esprit se rendit à Jérusalem. Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne voyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé.
et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Jusqu'à 9-9. Alors, il allait et venait avec eux dans Jérusalem pour s'exprimer en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Point. Alors, qui peut imaginer donc le ressentiment de tous les chrétiens vis-à-vis des sévices et des tortures que Paul leur avait fait subir. Et les meurtres. Et les meurtres. Tout ce qu'il leur avait fait subir. Et même après 3 ans d'absence. Donc, ils décident de se retirer, certainement pour méditer, et puis aussi pour propager le message de l'Évangile. Donc, ils partent en Arabie, et vraisemblablement dans la région gouvernée par Arétas, à savoir le royaume nabatéen. Ça, c'est, il le raconte dans 2 Corinthiens, chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 32. C'est avant Galate. Hein. Oui, non. Non, c'est juste avant. Tiens. C'est collé. 11 combien ? Damas, le gouverneur du roi Arétas, faisait parler la ville, faisait garder la ville des Damasiens pour se saisir de moi. Se saisir de moi ? De moi, c'est ça. Ah ouais. Donc maintenant on va voir sa rencontre, la rencontre qui a eu lieu à Jérusalem entre Paul et les apôtres. Donc ça c'est versets 18 et 20 de Galates, chapitre 1, toujours. Ouais. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Dans ce cas, dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Voilà. Donc Paul renforce son argumentation pour montrer son indépendance à l'égard des apôtres et en précisant le contenu de ses visites à Jérusalem, et puis le nombre aussi. Donc environ 3 ans se sont écoulés, et enfin il monte à Jérusalem. Alors, mais il n'y reste que peu de temps, à savoir 15 jours chez Pierre, et le temps d'une rencontre avec Jacques. Le mot traduit par « visite » et historesai. Bref, le tréma S-I. Historesai. Donc, je vais te dire qui indique. Donc, ce mot-là indique soit l'idée de recevoir un rapport, soit sinon l'idée de faire meilleure connaissance. Les deux sont certainement justes. Paul a fait la connaissance de Pierre et de Jacques, mais il est certain que Paul a interrogé Pierre et peut-être Jacques au sujet de la vie et de l'enseignement de Jésus. Ma foi, corroborer, quoi. Mais ce n'est pas l'évangile qu'il a appris de leur part. Il le connaissait déjà. Certainement, quand même, il a dû apprendre des petits points de détail que eux, ils ont... Ils l'ont raconté, parce que eux ils ont vécu avec lui, a vécu avec Jésus, donc ils ont peut-être raconté encore des choses que lui ne connaissait pas. Mais ce qui est clair, c'est que en tout cas il n'y avait aucune contradiction entre l'évangile que lui il annonçait puis l'évangile que eux ils annonçaient. C'était vraiment la même. Voilà. Donc la lecture parallèle de cette visite, on va lire Actes 9, versets 26 et 29. Donc, peut suggérer que Paul a rencontré tous les apôtres. C'est ce qu'on a vu. On va pas le relire. Ouais. Donc, en fait, là, il insiste bien sur le fait qu'il en a rencontré que 2. C'était une visite privée. Il ne cherchait pas le soutien ou l'appui de l'église de Jérusalem. Il n'en a pas besoin. Un échange a certainement eu lieu entre Pierre et lui, quant au message prêché par l'un et l'autre. Et Paul a probablement, donc, comme je disais, appris des éléments de première main concernant le Seigneur, mais il n'a pas reçu l'évangile de leur part. Toutefois, on va lire dans Acte 9, Paul a rencontré d'autres personnes,
Barnabas. Alors ça, c'est chapitre 9, verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, comment à Damas, il avait aussi prêché franchement au nom de Jésus. Il a même essayé de s'associer aux disciples, mais ceux-ci avaient peur de lui. Ça, c'est verset 26. Alors il allait et venait avec eux dans Jérusalem et il s'exprimait avec toute assurance au nom du Seigneur. Et au verset 28 et 29, on voit qu'il tente d'évangéliser dans le secteur. Ah non, j'ai lu le 28 là. Le 26, c'est lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient voilà. Et ne croyant pas qu'il fût un disciple. 27-28. Voilà. 28-29. Donc, 28-29, c'est. Il allait et venait avec eux donc, à Jérusalem, s'exprimait avec toute assurance au nom du Seigneur Jésus, et il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Voilà. Et après, on va lire les versets 29 et 30, où on va voir que devant l'hostilité, il part pour Césarée et il embarque vers Tarse. Maintenant que j'ai lu, donc il reste voilà. Le 30. Alors, les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Alors, il entend montrer ici, comme partout, qu'avant, comme après avoir vu les apôtres, il a toujours été docteur de l'Évangile, qu'il avait reçu de Christ par révélation et qu'il n'a jamais été un disciple. Alors que nous, on est invité à être des disciples. Il termine ce bref récit en disant qu'il ne ment pas et il prend Dieu à témoin. Dans d'autres épîtres de Paul, nous constatons qu'il était souvent l'objet de calomnies, que ce soit de lâcheté, de cupidité, d'immoralité ou de dureté. Et devant les églises de Galatie, il est accusé de mensonge. Donc, ses détracteurs, sans doute, répandaient l'idée que Paul avait visité Jérusalem pour être instruit par les apôtres. Il revenait. Pour... Voilà. Et donc, Paul dément fermement et il sait que sa lettre aux Galates va être lue par ses détracteurs, et bien évidemment. Donc, il s'attache vraiment à être précis sur tous les détails, de façon à ce qu'on ne puisse pas, chercher... Déformer ou chercher la petite bête dans ses propos. Voilà. Comme ça, il ne peut pas être discrédité, parce que... vraiment, carré. C'est important de faire comme ça pour ne pas être discrédité dans son ministère. Alors on va voir l'effet de l'évangile. Donc ça c'est le verset 21 à 24. 21 à 24 ? Oui. Et on aura fini le chapitre 1. Je me suis ensuite rendu dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée, qui sont en Christ. Elle avait seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire, et cite, glorifie, et elle glorifie, et elle glorifie Dieu à mon sujet. Voilà, je consulte un truc. Donc c'est un changement radical en fait, puisque un juif fanatique est devenu chrétien, à tel point que les églises de Judée glorifient le Seigneur à son sujet. Et en fait, Paul était pour ainsi dire inconnu en Judée, mais sa réputation ne l'était pas. Et celui qui autrefois, donc littéralement, c'est il y a longtemps, nous persécutait, prêche maintenant l'Évangile. Donc ici encore, Paul souligne son éloignement de l'épicentre de Jérusalem. Il démontre à nouveau son indépendance de Jérusalem.
Et ceci est important dans sa confrontation avec les idées des judaïsants qui se réclamaient de leurs origines en Judée. Non seulement les apôtres à Jérusalem ont reconnu le bien fondé de l'apostolat de Paul, mais les églises en sont émerveillées et le soutiennent. Alors les autres, peuvent la fermer un petit peu. Voilà, pour bien les calmer. Donc il travaille en Syrie et en Cilicie, où se trouve sa ville natale, Tars. On n'a pas de détails sur ses exploits, mais son ministère dans ces provinces devait être efficace. Car plus tard, la lettre rédigée par Jacques suite au conseil de Jérusalem est adressée aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie. Ça c'est acte 15 à 23, on va le lire. Et après on préparera acte 11, 25, 26. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Voilà. Donc c'est à Tars que Barnabas s'est rendu pour le chercher, en vue de l'amener à Antioche de Syrie, où ils ont enseigné l'église pendant une année. Ça c'est acte 11, 25, 26. C'est moi la plus posée à la lecture. J'ai l'impression. Alors, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une nuit, toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et après, ça sera tout pour la lecture, en fait. Ah si, on pourra préparer 1 Timothée chapitre 1 verset 4 à 8 et pour voir qu'on constate des effets similaires lors de l'implantation de l'église à Thessalonique. Et le témoignage des Thessaloniciens avait précédé la prédication de Paul et de ses compagnons au-delà des frontières de la Macédoine et de l'Achaïe. Je lis. Ah, vas-y. Alors, 1 Corinthiens de 4 à 8, c'est ça? Oui, oui. Et de ne pas s'attacher, alors peut-être prendre un peu plus. Non, c'est trop long. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant du cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent. Ah, c'est pas le bon. Non, non, t'es pas bon. Pas dans la même C'est moi qui l'ai induite en erreur. Alors... C'est un Thessalonicien, pardon. Alors, c'est quoi ce travail? Un Thessalonicien, 1, 4, verset 8. Je me disais, mais ça n'a aucun rapport. Bah oui, c'est bien qu'il faut les mêmes. Il me semble que j'ai pas. Ça ne rentre pas. Un Thessalonicien, ouais. 1, verset 4 à 8. Alors. Juste après, je suis à pas. Non, mais même moi dans 1 Timothée, ça ne correspondait pas à ce qu'elle a dit. Ah, bah non. Ah bon, ah, oui. Ah bon, ah, d'accord. Oui. Ah bah, j'étais bien, 1 Timothée 1, 4 à 8. Oui, mais pourtant ça ne raconte pas la même chose que tu étais en train de dire. Bon, bref, nous ce qu'il nous faut, c'est 1 Thessalonicien 1, 4 à 8. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance et avec le Saint-Esprit. Et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous, nous sommes montrés par ainsi à vous. Par un homme. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations et avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Et non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Voilà. Et donc Paul termine
par une note d'adoration au verset 24, chapitre 1, verset 24 de Galates. Oui, on l'a lu, mais on va le relire. Il a dit, et elle glorifie Dieu à mon sujet. Voilà, et ça nous rappelle en fait ce qu'il avait dit au verset 5. On va le relire. Soit la gloire au siècle des siècles, amen. Voilà. Et dans ces deux expressions de louange et d'action de grâce, c'est le triomphe de Dieu qui est célébré, d'abord dans l'œuvre complète de Christ à la croix, et ensuite dans la vie d'un rebelle transformé.